Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour faire une petite guidance sentimentale. Alors, je vais simplement poser la question pour cette vidéo. Quelle évolution sentimentale? Voilà. Donc ça pourra parler bah, peut-être à des célibataires, on verra. Ça pourra parler à des couples, ça pourra parler à des triangulaires. Je ne choisis pas à l'avance, donc je vais quand même mettre un titre hein, en fonction du résultat que je vais avoir. Je vais simplement faire un petit carré de neuf, les amis, avec mon petit Lenormand. Et puis, bah écoutez, ma foi, on va voir quelles sont les énergies sentimentales pour cette semaine. Allez, on se retrousse les manches et on y va! Allez, on va déjà faire une petite coupe pour voir un petit peu. Alors, on a le puits et on a l'encre. Pour moi, la coupe, elle est assez facile à comprendre ici. On est sur une personne qui a besoin de guérir, hein, qui a besoin de remonter un petit peu la pente, qui a besoin de retrouver, en fait, moi je vais dire ça comme ça, une forme de tranquillité d'esprit, une forme de stabilité, de sécurité. Hein. Alors pour d'autres, ici, il pourrait être question aussi, pourquoi pas, d'essayer de retrouver confiance en quelqu'un. Parce qu'on a peut-être perdu la confiance, ce que peut nous suggérer en fait le puits. Et peut-être que là, on travaille à essayer de retrouver confiance. Pour d'autres également, ici, il pourrait être question, peut-être que vous avez des vœux secrets, parce que le puits bah, représente, vous savez, je le dis souvent, hein, mais le fait de jeter la pièce dans ce puits, c'est les vœux qu'on fait comme ça, que l'on garde pour soi. Donc les vœux un petit peu secrets, les souhaits que l'on a. Et je dirais qu'en fait, on souhaite ici peut-être, pourquoi pas pour les célibataires, je vais voir de quoi va parler le carré de neuf, mais ici on pourrait voir que peut-être qu'on a envie d'une relation sur du long terme, d'une relation où on pourrait s'attirer comme des aimants. D'une relation justement où il y aurait un attachement durable avec de la fidélité et de la confiance. Voilà ce qu'on voit au niveau de la coupe. Allez, on y va pour le carré de neuf. Je vais peut-être faire un peu de place parce que carré de 9, c'est comme d'habitude. Hop. Je sais plus si j'ai coupé. Non, je crois. Je sais plus. Ah, comment être déstabilisé? Voilà. Allez, là cette fois-ci, j'y vais sur le carré de neuf. Alors, on a la montagne, l'homme, la verge. Déjà, je vais vérifier si vous arrivez à voir correctement les trois cartes. Oui, ça m'a l'air d'être bon. Pour une fois, j'ai pas trop mal à régler la caméra. Le choix, le bouquet en carte focus. Les dés, les nuages. Oh là là, la vache, les questions, les indécisions, les doutes. Waouh! Et. Le cavalier, le renard, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé? Il y a eu des difficultés à la rencontrer. Donc ici, l'homme, soit c'est vous, même si vous êtes une femme, hein, parce que ça peut représenter en fait ici votre énergie, votre anima masculin.
Donc, soit c'est vous en tant qu'homme, soit c'est votre anima masculin en tant que femme, soit c'est peut-être si vous avez quelqu'un dans le cœur ou si vous vivez en couple avec quelqu'un, parce qu'on a quand même ici l'union, donc on pourrait voir quand même que ce tirage va plutôt parler sur des personnes qui sont engagées. Il y a eu des difficultés ici, des conflits. Voilà, des difficultés rencontrées où il y a eu... Alors ça appartient au passé, ce qui est déjà pas trop mal. Hein. On voit que oui, il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup de conflits, beaucoup de, comment dire, de colère aussi peut-être. Hein. Ici, on pouvait avoir, pourquoi pas, un homme qui ressentait beaucoup de colère. Il y a eu une crise, quoi. Hein. Moi, je pense qu'on voit ici une crise. Et à mon avis, ça a quand même été compliqué, quoi. La Vierge représente quand même toujours les tensions, les conflits, les disputes. Alors peut-être aussi que si vous êtes par exemple en triangulaire, pourquoi je parle encore de triangulaire? Parce qu'on a le renard et le renard sort toujours comme l'énergie tierce. Vous savez, la personne qui s'immisce justement dans l'union et qui vient un petit peu perturber l'harmonie qu'il peut y avoir dans une relation. Auquel cas, la Vierge ici pourrait représenter les amours infidèles. Et bah, il y a peut-être une période de froid avec cette personne-là, où vous êtes peut-être encore, hein, d'ailleurs, dans une période de froid avec cette personne-là. Il y a eu voilà, des blocages entre vous, des choses, peut-être que vous n'étiez pas raccord, il y a peut-être eu des conflits, comme je disais, des tensions, et bref, c'est... Bon, voilà, que ce soit votre amour normal avec lequel vous êtes marié, ou que ce soit l'énergie tierce, après... ça va prendre en fonction de comment ça résonne pour vous. Je vais donner toutes les possibilités d'interprétation comme d'habitude. Alors, sur les énergies du présent, on a le choix, on a le bouquet et on a les dés. Donc, le choix montre bien déjà les problèmes qui demeurent toujours hein, dans une relation existante. Alors, c'est pareil, le choix, c'est souvent quand même une carte qui sort quand... on peut justement avoir le choix entre deux personnes. Et là, on est quand même sur bah, les deux chemins et les deux dés. Donc, bon, l'énergie tierce, quand même, pourrait quand même parler ici au triangulaire. Alors, le choix, évidemment, bah, ça représente plusieurs possibilités qui s'offrent à vous aujourd'hui. On voit que vous vous posez beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Vous avez beaucoup de doutes, hein, je pense, et les doutes, on les ressort en fait ici, si vous voulez, avec les dés. Parce que les dés, c'est les incertitudes aussi. Les dés, c'est souvent quand on réfléchit en se disant si à un moment donné je fais un choix, bah, qu'est-ce qui va se passer derrière en fait? Est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre dans l'histoire? Et ici c'est comme si effectivement le choix montrait, surtout suivi du bouquet en fait, c'est comme si le choix montrait effectivement le fait que vous vous disiez si là, à l'heure actuelle, je fais un choix, si je fais une proposition peut-être à l'homme que j'ai dans le cœur, si je tente ma chance en fait et si je fais une proposition, ben qu'est-ce qui va se passer derrière? Vous voyez, ici c'est vraiment ça la réflexion présente que l'on a, c'est dire, en fait, si moi je prends une décision, si je vais vers une nouvelle direction, si je fais la proposition à la personne que j'ai dans le cœur, parce que bah, je sais que ça m'apporterait plus de joie, plus de bonheur, plus d'amour, plus d'estime aussi, pourquoi pas, si je tente ma chance, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est vraiment, vraiment ça le message que l'on a ici. Sur les énergies du futur, eh bien du coup, on a les nuages avec l'anneau. Alors, ici, c'est pareil, je reviens en arrière de 2 secondes, mais ça peut aussi parler, pourquoi pas, aux célibataires. Vous savez, quand on se pose la question, est-ce qu'on doit avouer à la personne en face ce qu'on ressent? Est-ce qu'on doit... tenter sa chance en fait et faire une proposition, je sais pas, comme aller trouver quelqu'un et dire écoute, je te propose qu'on tente quelque chose tous les deux, eh bien on pourrait aussi voir ça pour les célibataires, le fait de se poser la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je tente ma chance, est-ce que je vais faire une proposition à cette personne ou pas. Donc là ensuite on voit bah, évidemment avec les nuages, toujours, hein, malheureusement, les incertitudes, les doutes.
concernant évidemment cette union. Donc, soit c'est les doutes concernant une union dans laquelle vous êtes parce que vous avez l'énergie tierce, hein, la nouvelle relation que l'on peut voir derrière, soit vous avez des doutes et c'est un petit peu flou, c'est un petit peu confus dans votre esprit quant à la possibilité en fait que vous puissiez concrétiser ici cette relation, cette nouvelle relation si vous êtes célibataire. Moi, je pense que pour les célibataires, en fait, ici, c'était vous. Ou alors, vous êtes sorti peut-être d'une relation où il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de froideur. Mais c'est peut-être aussi vous qui, dans les énergies du passé, étiez bloqué, hein, tout simplement, étiez très en colère. Et là, j'ai la sensation quand même pour les célibataires qu'il y a une personne, en fait, qui vous intéresse et avec laquelle vous aimeriez, pourquoi pas, on va dire, concrétiser. Mais en fait, vous vous posez beaucoup trop de questions, quoi. Moi, je pense que le mental carbure énormément et ça doit être extrêmement compliqué. Alors, vous voyez, qu'est-ce que vous espérez? Que vous soyez en triangulaire ici ou en carré ou célibataire, je vais y arriver. Ce que vous espérez, c'est vous libérer des incertitudes, évidemment. C'est réussir à prendre une décision. Et sortir des blocages, sortir des indécisions, sortir des doutes, sortir de la confusion et vous libérer une bonne fois pour toutes bah de tout ça. Voilà, de tout ça parce que je pense qu'en fait, au bout d'un moment, c'est plus franchement vivable, quoi. Alors, qu'est-ce que vous vivez? Bah, pour les personnes qui sont en triangulaire, on voit bien quand même une union hein, dans laquelle il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a quand même une union heureuse, hein, moi, je pense, ici. Et si vous êtes célibataire, bah, je pense qu'à un moment donné ou un autre, vous allez peut-être quand même... Alors, soit c'est vous qui allez recevoir une proposition de la part de quelqu'un ici, soit c'est vous qui allez faire une proposition à un moment donné ou un autre, comme si vous alliez vous lancer et dire, écoute, j'aimerais qu'on puisse vivre ensemble, j'aimerais qu'on puisse s'engager concrètement. On pourrait voir, pourquoi pas, une proposition de mariage ou une proposition, en tout cas, d'engagement de quelque chose d'officiel. Hein. Donc ça, c'est une très belle ligne quand même. Expérience déjà vécue. Alors, je pense que c'est pas la première fois que vous vivez... des moments un petit peu complexes comme ça. La verge, en fait, représente la répétition des schémas. Et moi, je pense qu'ici, on est sur des personnes, vous savez, un petit peu trop cérébrales. Les personnes qui ont tendance peut-être aussi, pourquoi pas, soit à recommencer les mêmes erreurs, à répéter les mêmes schémas, soit à attirer toujours à elles le même type de personnes. Donc là, on voit que c'est régulier hein, ce que vous vivez et vous vivez aussi régulièrement bah, les incertitudes qui vont avec. Je pense que vous avez un tempérament fort. Hein. Vous êtes quelqu'un qui avait un tempérament fort. Vous aimez aussi foncer, vous aimez certainement y aller, vous aimez tenter votre chance de construire, de prendre un nouveau départ, d'aller vers une nouvelle relation. On voit que c'est pas la première fois que vous osez vous lancer, que vous osez tenter votre chance. Mais c'est comme si, en fait, derrière, il y avait l'idée avec la verge de répéter constamment cette erreur-là. Alors peut-être que, je sais pas, avec les dés, vous aviez peut-être tendance à trop vous lancer par hasard, en ayant, vous voyez, peut-être pas assez de recul parce que c'était une nouvelle relation, que c'était un nouveau départ, que c'était quelque chose, voilà. Ça, c'était des expériences déjà vécues, d'accord ? Je pense qu'aujourd'hui, avec le renard en dos de deck, en dehors de montrer l'énergie tierce pour les triangulaires, elle représente aussi, celle du renard, le fait qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus méfiant, hein, beaucoup plus prudent, vous faites beaucoup plus attention, justement, avant de vous engager, et c'est pourquoi on a autant de doutes et d'incertitudes aujourd'hui quant au fait de vous lancer, je pense, et quant au fait de proposer peut-être à la personne que vous avez dans le cœur ou pour qui vous avez des sentiments de concrétiser les choses. Alors, bon, globalement, on peut voir si vous êtes en couple ici, en union, il va perdurer quand même des... Je pense qu'il y a des problèmes dans cette union. Il y a des problèmes dans la relation. Hein. Et c'est peut-être aussi, si vous êtes en triangulaire, du coup, ce qui vous amène à avoir toutes ces incertitudes aussi.
Parce que d'un côté, il y a... Alors, c'est paradoxal, hein, vous allez me dire, parce que tout à l'heure, je vous parlais de beaucoup de bonheur. Oui, d'un côté, il y a beaucoup de bonheur, et de l'autre, il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des problèmes. Donc, du coup, bah, c'est un petit peu comme tous les couples, en fait. Je pense qu'ici, on est sur une relation qui est un petit peu en dents de scie, qui, par moment, en fait, a de gros moments de bonheur, et à d'autres moments, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur. Mais du coup, c'est ce qui fait aussi que ça vous amène, à force de faire les montagnes russes comme ça vous amène à vous poser beaucoup de questions. Et au final, vous avez beaucoup d'incertitudes qui demeurent, hein, ce que l'on voit sur le diamant. Après, j'ai la sensation quand même qu'en définitive, alors là, si vous êtes célibataire, bah, c'est la même chose, hein, que ça représente. Hein, le diamant représente encore avec le choix, bah, le fait de dire est-ce que j'y vais, est-ce que je me lance, est-ce que je concrétise, est-ce que je tente ma chance. Là, pour les triangulaires, les dés vont être plutôt les incertitudes, les doutes que l'on se pose. Pour les célibataires, moi, je pense que c'est plutôt le fait de tenter votre chance, en fait. Et en définitive, la réponse est ici. Et je pense que... Il est possible quand même que certains tentent leur chance, voilà, et se disent, bon, bah, je vais saisir l'opportunité de ce nouveau départ, de cette nouvelle relation, et je vais me lancer. Donc ça peut être aussi, attention, hein, le cavalier, ça ne veut pas forcément dire que vous allez, là, on ne voit pas de séparation, d'accord? Le cavalier, si vous êtes en triangulaire, pour moi, représente plutôt le fait d'aller voir cette personne, d'aller rendre visite à cette personne, de donner des nouvelles à cette personne. Peut-être que voilà, vous allez bah, tenter de donner des nouvelles à votre énergie tierce ici que l'on pourrait voir. Peut-être que vous allez tenter d'aller voir cette personne hein, physiquement, je veux dire. C'est pas l'idée de tenter votre chance pour prendre chambouler complètement votre vie. Je ne sais pas ce que je ressens ici. C'est plutôt le fait de dire j'ai l'occasion de me divertir un petit peu, de me faire plaisir. Donc, bah, je vais aller le voir ou la voir et je vais, ou alors je vais prendre de ses nouvelles, je vais communiquer parce qu'on s'amuse bien, parce qu'on se distrait quand on parle ensemble, parce que c'est rigolo et que oui, c'est un plaisir, une distraction, ça apporte de la joie, de la gaieté. Ça, pour les triangulaires, en tout cas, c'est ce message-là qui est ici. Et pour les célibataires, par contre, je pense qu'il y a de fortes chances que vous vous lanciez, que vous tentiez votre chance en fait dans cette nouvelle relation. Mais si vous le faites, vous allez vraiment, encore une fois, que ce soit pour les triangulaires, le fait d'aller voir quelqu'un ou donner des nouvelles ou autre, vous allez le faire avec vraiment beaucoup de prudence. Hein. Voilà, beaucoup de prudence. Vous voyez, vous allez essayer de rester maître de vous-même, fidèle à vous-même en fait. Vous allez essayer de rester fidèle à vous-même et... Mais il peut y avoir de belles choses d'ici le printemps. Ok? Voilà les amis pour la guidance sentimentale de cette semaine. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça aura résonné avec votre situation ou pas, les amis. Je vous souhaite bah, une belle journée. Et puis bah on se retrouve très vite du coup pour les énergies sentimentales de votre mois de mars. À bientôt.